Africulture 20e numéro sur Kempf Media, votre chaîne de télévision africaine de base à Washington aux États-Unis. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'actualité culturelle sur votre chaîne de télévision. L'actualité culturelle va porter sur l'édition 2019 du FESPACO qui s'est achevé au Burkina Faso. Nous parlerons aussi de FOMARIC 2019 qui vient de s'achever du côté du Cameroun, Journée internationale de la femme 2019 aux États-Unis à Washington. On en parlera. L'événement s'est célébré sous le label City. On va aussi parler de l'actualité du cinéma africain, sans oublier la sortie du nouvel album de l'artiste camerounais DJ Jiraben. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous faire confiance et merci de vous installer confortablement. Africulture 20e numéro sur 15 médias, c'est donc l'actualité culturelle. On va commencer par la musique pour annoncer que le jeune artiste camerounais DJ Jiraben vient de commettre un nouvel album et qui sera bientôt disponible sur le marché. Il faut donc préciser que cet album Ben Sikin est très très dansant et déjà le single est disponible et un vidéogramme a déjà été réalisé par Roger Makanda pour mettre en exergue le talent de ce jeune artiste camerounais DJ Jiraben qui sort dans son nouvel album, l'a baptisé tout simplement Le Défi. Et puis la chanson qui est mise en exergue aujourd'hui à travers ce nouveau vidéogramme s'intitule tout simplement Sur la piste, une chanson que nous vous recommandons vivement. Écoutons donc un extrait de cette chanson qui fait fureur en ce moment du côté du Cameroun. Tout le monde debout, 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 debout. Asia, debout. Europa, America, Africa. Oh, président Darol Nyansa, qui danse comme lui, qui danse comme lui. Oh, Banga Chou Nyansa, mais on y a un boy d'Imé, on y a un boy d'Imé. Oh, Bishop Nyansa, qui danse comme lui, qui danse comme lui. Oh, Bako Maison. Tu viens de Bruxelles, lève-toi. Le noble Bayangam, Pascal Loris, mon bijou, Tonton Guignoua, président Kabila, lève-toi. Sa Majesté, Kepsidem, Pamila Djantou, lève-toi. Loriano de Lisson, ça va chauffer l'Ousi là, Nyangsa là, Sandangwa là, Tandavelo, Binigunga. Dansons ensemble, bougeons ensemble, amusons-nous, sautons ensemble. Tout le monde sur la piste. Journée internationale de la femme 2019 aux États-Unis. L'événement s'est célébré le samedi 9 mars 2019 à Washington par le biais de Claire Tientieu qui a mis tout le paquet pour que cet événement puisse se dérouler. Il faut donc noter que l'événement s'est donc déroulé sous le label City Pod. On va préciser que c'est un événement qui était à sa première édition et qui a d'ailleurs connu un succès populaire, d'où un coup d'essai devenu incontestablement un véritable coup de maître. Il faut donc noter que le public a répondu massivement présent à cette première édition de la soirée baptisée Lady Night que Claire Tientieu a décidé d'organiser pour honorer la femme africaine et la femme du monde. Tout simplement, il faut donc préciser que pour cette soirée, l'ambiance était belle, magnifique et fantastique, comme le témoignent ces images que vous propose Kempf Media. <t'->
Allez, au terme de cette soirée dédiée à la femme, comment est-ce que le public a réagi? Comment les invités ont-ils apprécié l'événement? On va donc les écouter au micro de Kems Media, Kems Media qui était au cœur de cet événement. It was an awesome, beautiful evening and I had a great time with all these awesome, beautiful, talented, powerful men and women. On a rendu hommage à toutes les femmes qui sont nos mamans parce qu'une femme représente vraiment une nation. Sans une femme, la nation n'est pas faite. Donc, je vais passer par ce micro de mon frère qui m'a donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer aujourd'hui pour dire vraiment la soirée a été au top et cette première édition a été une édition vraiment réussite. Et voilà quoi, j'espère que l'année prochaine sera une année vraiment très très bonne et on va s'amuser au top. Voilà. C'était super bien. Je dis merci aux organisateurs, particulièrement à Claire Chencheux qui a vraiment valorisé la femme. Et nous sommes contents pour elle. C'est la toute première fois qu'elle organise quelque chose comme ça dans le DMV. Mais chapeau ma soeur, tu as fait fort. Donc nous sommes contents de toi, les femmes sont contentes de toi. On peut compter sur toi en tant que femme, en tant que leader. Tu peux nous représenter quand on veut, comme on veut. Merci à tout le monde et merci à toi, Kems Media. Bonsoir, Kems Media. J'ai toujours apprécié et aimé ce que tu fais dans le DMV. Aujourd'hui, nous sommes venus valoriser les femmes, les accompagner dans les actions. Et la fête était très belle. Vraiment. Alors, Madame Alice, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, vraiment, nous avons passé une très bonne soirée. On remercie tout le monde et vraiment merci pour l'initiative et tout, vraiment. Et vous, Chimène? Bonsoir tout le monde, la fête était très belle, on a bien enjoy vraiment et j'aimerais que ça se reproduise la prochaine fois. Je remercie 15 médias pour tout le travail qu'il y a là-bas dans le DMV. Vous savez, c'était la première édition, je peux dire coup d'essai, coup de maître, parce qu'on ne s'attendait pas à voir tout ce public ici qui sont partis vraiment, vraiment satisfaits. Nous avons des gens qui nous ont interpellés pour nous vraiment nous féliciter et nous dire de continuer sur ce parcours. Alors, nous vous promettons que l'année prochaine, en 2020, la Journée internationale de la femme, la deuxième édition, aura bel et bien lieu. Et ce sera encore quelque chose de plus grandiose. Ce sera encore quelque chose de plus prestigieux. Parce que chez nous, à City Prod, nous tenons à honorer la femme qui est la mère de l'humanité. Nous tenons à lui donner tous les honneurs dont elle mérite. Ça, c'est la cause de City Prod. Voilà, Africulture 20e numéro, c'est bien sûr Kems Media, votre chaîne de télévision qui fait le point de l'actualité culturelle. On va maintenant faire un tour du côté du Burkina Faso pour parler du FESPACO 2019. L'événement s'est achevé le 2 mars 2019, un événement très très couru qui a donc connu un succès extraordinaire. Il faut donc préciser que plusieurs cinéphiles ont pris part à cet événement. Notons tout simplement que le FESPACO s'est achevé sur une note de satisfaction des acteurs, les organisateurs de l'événement et bien évidemment les cinéastes africains qui ont pris part à cette soirée et le public est venu massivement encourager ces acteurs, ce public essentiellement constitué des cinéphiles qui ont apprécié l'événement. À travers ce reportage, nous allons certainement avoir une idée des moments forts de la soirée baptisée Celebrities Night des 50 ans du FESPACO. On se croirait aux Oscars ou encore au Festival de Cannes. Pourtant, nous sommes bien à Ouagadougou, à The Celebrities Night, la nuit des célébrités, la nuit des étoiles. Il y a le tapis rouge et la limousine, à bord de laquelle les stars du cinéma et de la télévision de l'Afrique arrivent une à une. Nakissi Savané et Akissi Delta de la série à succès Ma Famille, une série qui a longtemps animé les causeries dans les familles. L'acteur et humoriste Bamba Bakari, celui qui ne vieillit jamais. Il y a même la pose photo pour toutes ces stars. Tout a été prévu. Et puis, arrive l'invité d'honneur. L'acteur, réalisateur et metteur en scène Sidiki Bakaba fait son entrée dans l'enceinte de l'Hôtel des Villes sur le dos d'un cheval. Et tout ce beau monde va s'installer. Il y a du glamour, de la beauté, du charme, de la lumière et même des rires. La bonne humeur est au rendez-vous. La fête peut
commencer. Tiens, voici Eric Ebouané, c'est lui qui a incarné Patrice Lumumba dans le biopic Lumumba, on l'a aussi vu dans Transporteur. Celebrities Night 2019, c'est parti. Chants et danses, mais surtout des récompenses à ces comédiennes et comédiens, actrices et acteurs du continent qui sont souvent restés dans l'ombre lors des festivals. Une situation que va dénoncer Sidiki Bakaba. On fait tout pour nous faire taire. Et je le dis, que hier j'étais très 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 mal dans la salle de voir qu'à aucun moment on a cité un seul acteur. Le monde sera tellement triste si nous n'avions pas ces acteurs. Autrement dit, ces acteurs nous procurent tellement de bonheur que les célébrer, ce n'est que leur rendre une justice méritée. Les actrices et les acteurs du cinéma et de la télévision de l'Afrique peuvent compter sur Celebrities Night et sa promotrice Georgette Paré pour être reconnus. Ceux de ce soir ne cachent pas leur joie, comme Isaac de Bankole, qui a joué dans le blockbuster qui cartonne en ce moment Black Panthers. Chapeau, Ouaga. Chapeau, Fespaco. Celebrities Night 2019, c'est fini. Rendez-vous dans 2 ans. Voilà, FESPACO 2019, la 50e édition de cet événement a été présidée par le président du Burkina Faso, assisté pour la circonstance de Paul Kagame, le président du Rwanda. Et justement, à propos du Rwanda, il convient de préciser que le Rwanda a décroché les talons d'or de Yenenga de cette édition de FESPACO. Et la démonstration a été faite à travers ces images que nous allons vous proposer qui témoignent de la belle ambiance qui a prévalu à la clôture de cette édition 2019 du FESPACO. Regardons. Catégorie la plus grande en cette 26e édition du FESPACO marquant le cinquantenaire. À présent que nous sommes au sommet de la montagne, nous avons l'insigne honneur et l'immense privilège de convier ici deux chefs d'État. Son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pays invité d'honneur. Et bien entendu et bien évidemment, Son Excellence Monsieur Rochma Christian Kabore, président du Faso, sous nos ovations les plus chaleureuses. Voici donc venu le grand moment. Le moment tant attendu est arrivé. Si on n'entend pas des applaudissements, les talons d'or de Yenenga est décerné au film The Mercy of the Jungle de Rwanda. The Mercy of the Jungle du Rwanda. On veut des applaudissements. Bravo Rwanda! Des applaudissements plus nourris, s'il vous plaît. Ovation pour le Rwanda. The Mercy of the Jungle. Bravo de Joël Karekesi. Joël Karekesi du Rwanda. The Mercy of the Jungle. Les applaudissements
bien nourri pour cette encore beaucoup plus de passion, parce que c'est pas facile. Arriver à ce dans stade un de instant. Dans un instant, Oumou Sangaré et Cheikh Tidiane Seck, ici au Palais Omnisports de Ouagadougou. En attendant, les ovations bien nourries pour nos deux chefs d'État. S'il vous plaît, les ovations bien nourries. Les chapeaux pour s'abonner. La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou vient de s'achever. Vive la 27e! Du 27 février au 6 mars 2021. Mesdames, Messieurs, voilà, précisons que la prochaine édition du FESPACO aura lieu en 2021, toujours au Burkina Faso et précisément à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Voilà, nous allons rester dans le domaine du cinéma pour parler des films africains qui seront bientôt sur le marché. Alors, l'un des nouveaux films que nous allons certainement connaître dans les jours à venir et qui sera bientôt disponible dans les box est intitulé Faux Prophète. Il s'agit bien sûr d'un film produit par le label Keneba Media Prod. Ce film ressort donc les terres des pasteurs des églises qui passent carrément à côté de leur mission première, celle d'évangéliser. Faites-vous donc une idée de ce qui se passe dans les églises à travers ce teaser. Je suis fatigué. Ça fait pas quoi que tu es fatigué? Mais non, mais c'est mon pasteur là, mon pasteur là, il me casse toujours la tête d'amener ma femme à l'église. Là, oublie ça là. Moi, mais je prie pour toi à la maison. Le pasteur là regarde les popotins des femmes, tu vois l'église. Ah! Il a les diables. Votre mari a plein de diables. Toujours dans l'univers du 7e art, nous vous recommandons le film du réalisateur camerounais Blaise Christian Sitcher, intitulé « On va me nommer ». Il faut donc noter que c'est un film aussi intéressant et captivant, amour et tension et bien d'autres sont des éléments qui meublent ce film et qui sont d'ailleurs perceptibles et qui font la particularité de ce film africain qui sera bientôt sur le marché. Voici donc le teaser qui nous édifie sur les contours de ce film. Thank you.
On va me nommer. Je vais prendre sa place. Je vais prendre sa place. On va me nommer. Monsieur le directeur, oui. Qu'est-ce qui passe, monsieur? Qu'est-ce qui passe, monsieur? Monsieur, qu'est-ce qui passe, monsieur? He's going to survive. Non, c'est pas possible. Moi, je savais pas que tu le torturais comme ça. Vraiment, c'est malheureux. Tu souhaites ma mort? Non, je compte sur toi alors. Your problem is my problem. Voilà, précisons que Blaise Christian Sitchet est un réalisateur camerounais qui vit à Washington, aux États-Unis. Foumaric 2019, parlons-en à présent sur Kems Media. On va tout simplement préciser que l'édition 2019, la 26e, qui a connu un grand succès, a réussi, comme certaines éditions, à captiver les attentions. C'est un événement culturel, commercial et industriel qui réussit bien évidemment son pari. Et il faut préciser que cette année encore, Foumaric a drainé de nombreuses foules du côté de Bepanda et les passions se sont bien déchaînées tout au long de ce festival qui s'est déroulé à l'esplanade de Kamtel Bepanda à Douala, la capitale économique du Cameroun. Les différents acteurs engagés dans cette édition, la 26e de Foumaric, ont bel et bien trouvé leur compte, comme le précise ce reportage. Un florilège de ballets traditionnels et des danses patrimoniales du Cameroun au club Kamtel Bepanda. Cette 26e édition, placée sous le thème Sasaïe pour encourager les opérateurs économiques à faire de bonnes affaires, est saluée par les autorités administratives venues apporter leur soutien pour le promoteur de ce festival musical, artistique, industriel et commercial de Douala, les petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat jeune sont à promouvoir absolument. Nous fabriquons des bijoux artisanaux en perles et en pierre. On a choisi ces deux matériaux-là pour leur propriété, et notamment parce qu'ils sont très proches de notre culture africaine. Donc nous fabriquons des bijoux comme ceci, un peu contemporain. Donc habits traditionnels, habits bonheur, qui passent parfaitement. Au-delà des attractions habituelles, le club Kamtel Bepanda présente cette année des particularités. C'est le cas de ce stand de la communauté béninoise. Nous faisons dans des plantes. Nous traitons presque tout. Il y a le diabète que nous traitons. Il y a la prostate. Il y a la sinusite. Il y a le traitement de cheveux. Il y a les remèdes de verre. Il y a les remèdes du palu même. Il y a aussi le fortifort pour fortifier, pour les cellules qui sont déjà un peu fatiguées, pour remonter les cellules. Ici, l'on retrouve des vins faits à base de fruits. Les fruits de saison, orange, mangue, ananas, mandarine, raisins sauvages, etc. Ce sont des vins de table.
Nous faisons aussi dans les liqueurs thérapeutiques, liqueurs de ginseng et liqueurs de moringa. Les créations artistiques sont un fruit de la recherche archéologique. J'entre dans la forêt, dans les eaux, dans les marécages, et je cherche ces fossiles de plusieurs siècles qui ressemblent aux reliques que je transforme, c'est-à-dire en œuvre d'art adaptée à la décoration moderne. Elles véhiculent les messages, plus précisément les messages d'amour, de paix, de prospérité, de partage. Au club Kamtel Bepanda, les expositions vont se poursuivre jusqu'au 10 mars 2019. Les soirées sont cependant réservées aux spectacles des artistes du terroir et les week-ends aux compétitions de chorale et du chant gospel. Alors, Fumaric 2019, on en parle également avec, bien évidemment, un acteur qui défraie la chronique. C'est bien sûr le phénomène Nyangona du Sud. Nyangona du Sud, qui est un artiste dont le style musical marque les esprits du côté du Cameroun. Et il continue de faire sensation avec la chanson baptisée. Ça a déjà commencé. Une chanson très, très prisée, malgré les critiques qu'ils ont faites tout autour, n'est-ce pas, des techniques de chant de l'artiste. L'homme progresse. Allez, la chanson, il faut le noter, a fait fureur lors de son spectacle dévastateur, un spectacle dit dévastateur, bien sûr, du côté du Kamtel Bepanda, Nyangona du Sud, dont nous allons regarder un extrait de son spectacle, est un artiste dont le talent, malgré les critiques, reste à la une du côté du Cameroun. Regardons sa prestation à Fumaric 2019. Nyangona du Sud, un phénomène qui aujourd'hui fait bouger le Cameroun, et l'artiste, il faut le préciser, est donc quelque part critiqué par certains talents de la musique camerounaise. Malgré cela, l'homme progresse, il est donc sollicité par les médias, lesquels veulent bien comprendre le sens de son style musical. Nyangona du Sud est un autre ambassadeur de la culture camerounaise et de la musique, de sa musique particulièrement, à qui nous souhaitons bon vent. Allez, on va sortir de ce numéro d'Afrique Culture, le 20e numéro sur votre chaîne de télévision, par cet événement très attendu aux États-Unis. Il s'agit bien évidemment de la soirée de fundraising qu'organise la communauté Bantoum des États-Unis, un événement qui aura lieu le samedi 27 avril 2019 au Saratoga Avenue. C'est à Washington DC. Donc voici le zip code 20018, et pour ce qui est de l'adresse,
Grèce. C'est bien sûr 1251 Saratoga Avenue. Et la salle, c'est bien évidemment du côté, c'est bien sûr le Capitol City Hall Distinction. Alors, quel est donc le but de cette soirée? Il est question pour ceux qui arrivent d'apporter leur contribution afin que la communauté bantoum puisse bénéficier des points d'eau. Le Bantoum, il faut le préciser, est une localité située dans le département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun. Donc, ces populations qui souffrent de l'eau potable ont besoin de vos différents soutiens pour sortir de cette léthargie. Alors, comment participer à cette soirée? C'est simple et facile. Il vous suffit tout simplement d'acheter votre ticket à régulier à $50, ticket VIP $75. Si vous voulez bien sûr prendre une table de 10, vous allez dépenser la somme de $500 pour une table régulière. Et si vous voulez une table VIP de 10 personnes, vous allez débourser la somme de $750. Alors, comment contacter le comité d'organisation de ce fonds Résine Galanaï, organisé par qu'organise la communauté bantoum des États-Unis? Appelez tout simplement les numéros suivants: 571 575 10 34 240 505 57 54. Donc voilà les numéros qui vont vous intéresser. Mais on va pas sortir d'ici sans vous annoncer un autre événement qui est en vue, cette fois-ci en novembre 2019. Il s'agit bien sûr de la troisième édition de la soirée baptisée Big African Gala Night, qui sera bien sûr organisée cette année comme les années précédentes par le label Kemps Media et Kemps Foundation. Donc un événement qui vous est grandement et vivement recommandé pour bien évidemment boucler votre pain fin d'année en apothéose. Alors c'est un événement dont la particularité reste le port des tenues africaines. Voici donc la bande qui vous donne une idée de ce qui sera fait, ou tout simplement de cet événement qui sera organisé au mois de novembre 2019. Amoureux de la culture africaine vivant aux États-Unis, ne ratez pas le rendez-vous de l'année, la troisième édition de Big African Gala Night, le samedi 2 novembre 2019, de 19h à 3h du matin, au 15 100 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland. Préparez vos tenues africaines pour vivre une soirée de rêve à la dimension de vos attentes. Sponsors et différents annonceurs, des espaces vous sont réservés pour communiquer sur vos événements à travers la troisième édition de Big African Gala Night. Contact 240 832 2307. Voilà, Afrique Culture 20e numéro, c'est donc la fin, mesdames et messieurs. C'est ici que nous allons certainement vous dire merci de nous avoir regardé. C'est ici également que nous allons vous recommander de nous contacter au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Question de communiquer sur vos différentes activités. Alors, sachez tout simplement que cette émission culturelle sur 15 médias est une vitrine sur la culture africaine. Ici, nous nous adressons bien évidemment aux promoteurs culturels, aux acteurs de l'événementiel, aux présidents des communautés africaines basées à Washington aux États-Unis et partout dans le monde, afin qu'ils viennent communiquer sur leurs différentes activités. 15 médias et bien sûr une vitrine sur l'Afrique, une vitrine sur vos activités. Alors ne ratez pas cette merveilleuse occasion. Le numéro est affiché, contactez-nous à tout moment et nous ferons le reste. Allez, Afrique Culture 20e numéro, c'est la fin. À la prochaine édition.